toutes et à tous. Alors, aujourd'hui, j'aimerais vous parler de clairvoyance. Oui, clairvoyance, hein, c'est quelque chose d'important. Et c'est mon ressenti ou mes impressions à venir, notamment pour les européennes là, qui arrivent dans juin 2024. Mais ne vous y trompez pas. Même si le Rassemblement national va gagner ses élections a priori, sans aucune majorité, même si Macron les perd en étant lui-même minoritaire, tout cela ne changera rien, parce qu'il s'agit d'un stratagème qui s'est mis en place depuis quelques mois déjà pour préparer l'affrontement de 2027 entre les deux partis en question, afin que M. le Président puisse d'une façon ou d'une autre demeurer au pouvoir. C'est tellement évident que personne ne veut le voir. Bon, c'est sûr que les journalistes ne vont pas parler de ça parce que, de toute façon, ils sont tous de gauche. D'ailleurs, il faut remarquer qu'en politique, plus c'est gros et plus ça passe. Hein. Là, ce n'est plus une ficelle qu'utilise Macron, mais une grosse corde. C'est la grosse corde à nœud, là, énorme. Elle est tendue, cette corde, à tous les électeurs pour qu'ils puissent tranquillement se casser la figure ensuite. Et comme cela fonctionne merveilleusement bien, pourquoi s'en priver ? D'ailleurs, on peut rigoler, mais c'est quand même grave. Quand j'entends qu'on nous dit « les LR sont à droite alors qu'ils votent tous pour von der Leyen hein, », qui est la présidente de leur mouvement au Parlement européen, c'est vraiment d'un grotesque total. Alors, on a, dans cette situation de politique finalement navrante, qui est à l'image quand même de tout un pays qui s'est écroulé, parce que nous, la France, on s'est écroulé, on n'est pas les seuls, ça, si ça peut vous rassurer, c'est sûr. Et on ne change pas une équipe qui perd, et on va pouvoir le constater en 2027. Déjà, quoi qu'il arrive, avec le silence des veaux, d'avril 2022, avant même le résultat sans surprise de la présidentielle attendue, j'avais prédit que Macron enverrait la France à la guerre pour des raisons là encore évidentes, et je vous invite à revoir ou à voir ma vidéo. Nous serons en guerre. Je mettrai le lien en dessous pour que vous puissiez la récupérer de suite. Moscou, hein, pendant ce temps, a été frappé par l'islam comme d'autres pays, notamment la France, notamment la Belgique, l'Angleterre, tous les autres pays d'ailleurs, et même des pays arabes. Donc, ce que j'adore, c'est d'écouter les médias français qui s'interrogent sur l'origine supposée des terroristes. Les gens qui sont morts et blessés, on s'en fout, c'est pas grave, ça fait partie de statistiques. Mais ce qui est intéressant, c'est de savoir mais qui c'est qui a pu faire ça. Alors, comme eux, ils ne le savent pas, on va leur dire une fois de plus, ce sont des islamistes. Voilà, c'est du terrorisme typiquement signé. J'ai pas vu que les autres s'amusent à faire ça. Alors, en même temps, et dans l'indifférence générale des Occidentaux, au cerveau ramolli et anesthésié, les massacres barbares vont se développer. Il faut pas se tromper, puisqu'on ne combat pas ce terrorisme, il n'a aucune raison de s'arrêter. Voilà, c'est ça, c'est aussi simple que ça. Les médias publics, eux, financés par les contribuables, n'informent plus, mais déforment par idéologie, et c'est inacceptable et anormal. Et d'ailleurs, si vous allez sur, par exemple, le site de la radio d'État et tout, vous allez voir, c'est quasiment un site pro-islamiste, hein, carrément, carrément. On paye, nous les contribuables, on paye pour avoir un site qui nous crache à la gueule. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. J'en ai pas trouvé d'autre. Bon, je vais arrêter là parce que sinon, vous savez, on est mal, on est de plus en plus mal, et je vois pas comment ça pourrait s'améliorer. En tout cas, je compte sur vous. Si on ne dit pas aux gens ce qui se passe, eh ben, ils veulent même pas le savoir. C'est grave, mais c'est comme ça. Merci et à bientôt.